Morgen, allez, Idan et Sutra aujourd'hui, le Nishmat Avram Mordechai, Ben Israël, Befani David, Ben Fortuna Mazal Fritna, et Richard Aaron, Ben Fortuna Mazal Fritna, et Dvorah Batester. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sakhat que votre péricule de Mishnah Vav, Mishayana Suishte Nashim, Omachar et Sadehu, Vekadva Rishona, la Lokiach, Dien Ondvarim, Enri Imach, Ashnia Motsia, Mea Lokiach, Varishona, Mina Shnia, Mea Lokiach, Mina Rishona, Vechozrot Khalila. Ad Shaya Su Pshara Benehem. Vechen Baal Chov, Vechen Isha Baalat Chov. Une Mishnah, on va déjà traduire le cas, et après on expliquera, on va se retrouver dans une situation en fait où il y en a trois personnes, chacun a la priorité sur l'un et pas sur l'autre. Ouais, ça peut m'arriver, je crois que quand j'ai appris le code de la route, je crois qu'il y a une situation comme ça, où on a trois routes qui arrivent à un même carrefour, et en fait chacun il doit laisser la voiture de droite passer, mais pas celle de gauche, et donc. Moi, je laisse l'autre, mais l'autre, si déjà, il doit laisser l'autre, mais l'autre, il doit laisser à moi, et donc, on se retrouve, on reste tous bloqués sans avancer. C'est ce qui va se passer exactement. Que quoi ? Mishayanasu Ishtenashim, un homme qui était marié à deux femmes. Umachar et Sadehu, il a vendu un champ. Le Kadva Rishonal Alokeach, et la première femme qu'il a mariée a écrit à l'acheteur, Dino Dvarim Enri Imach. Je n'aurai avec toi ni din ni dvarim, je n'aurai aucune réclamation sur ton achat. Ton achat, tu l'achètes, je rentrerai jamais en ligne de compte pour te le retirer, pour te poser un quelconque problème. D'accord? Elle se décharge. Elle le décharge plutôt de toute dette envers lui, tout devoir envers elle. Et après, bien évidemment, le mari décède. Et donc, la Mishnah me dit, Ashniam, on va expliquer, vous inquiétez pas, d'accord? D'abord, je traduis les mots. Ashnia motia me alokiach. La deuxième va retirer, va saisir le bien de l'acheteur. Mais si déjà c'est arrivé dans la main de l'acheteur, de la deuxième, alors va rishona me ashnia. La première va déjà repartir, voilà la première en lui disant si déjà on a un bien qui est arrivé, c'est pour moi. Et quand c'est le bien il est arrivé maintenant dans les mains de la première femme, alors va lokiach mina rishona lokiach, l'acheteur il revient prendre de la première. Vechozro tralila. Et on recommence la ronde. Khalil, ça vient de. Khalila, ça vient du mot machol, faire une ronde. C'est que ça tourne, ça passe de l'un à l'autre, ça revient, et ainsi de suite. Et Hatché Asoup Shara Benem, jusqu'à qu'ils fassent un compromis entre eux, qu'on partage ça entre les trois, et puis c'est tout. On explique un peu mieux la situation. C'est pas compliqué. Vous avez compris la situation. Après, on va la voir. Vous savez quoi? Je finis toute la Mishnah. Vechen Balchov, on a la même situation aussi avec un. Baal Chov, quelqu'un qui avait une dette et qui avait deux champs, qui avait deux dettes envers deux personnes, et qui avait deux champs et qui les a vendus. Non, ouais, qui avait même. Ça change rien. Qui avait des dettes envers une seule personne, mais qui avait deux champs et qui les a vendus. Et le créancier se dispense le deuxième et pas le premier. Et donc on se retrouve dans cette même situation. Et encore même aussi, Vechenisha Baal Chov, et idem aussi avec une femme qui a, elle, une dette avec son mari. C'est plus deux femmes avec. Deux femmes, mais c'est plutôt une femme qui doit récupérer une somme qui implique deux champs, et on a le même problème avec les champs. On va tout expliquer, maintenant on a fini avec les mots, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Le principe, c'est le même dans les trois formes. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui doit de l'argent, et lorsqu'il doit de l'argent, on a un droit de saisie sur ses biens. Lorsque les biens ont été vendus, on va voir les acheteurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le... Et maintenant, entre les acheteurs, il y en a un des deux qui est prioritaire sur l'autre. Mais celui qui est prioritaire, il a renoncé à son droit de priorité. Il a renoncé à son droit de saisir. Et après, donc, on se retrouve quand même dans le deuxième, il vient, il réclame. Et lorsqu'il réclame, si déjà c'est arrivé dans ses mains, le premier récupère. Mais lorsque le premier récupère, et bien, c'est l'acheteur qui va récupérer de lui, et ainsi de suite. Alors, en expliquant encore mieux. On parle qu'il y avait, par exemple, on va prendre le premier cas de la Mishnah, bien sûr, qu'il y avait un homme qui avait deux femmes. Il avait donc Yaakov, il s'est marié avec Rachel et avec Léa. Maintenant, Rachel, il s'est marié un an avant Léa. Donc, en théorie, Yaakov, il s'engageait à payer 100 000 à Rachel en cas de décès et 100 000 à Léa en cas de décès. Donc, en fait, Yaakov, s'il meurt, il doit payer 200 000. 100 000 à l'une, 100 000 à l'autre. Maintenant, Yaakov, il n'a plus de bien, il lui reste juste un bien de 100 000 qui coûte 100 000. Ce bien de 100 000, il le vend à Avraham, un étranger. D'accord? Maintenant, Avraham, l'étranger, lui, il ne voulait pas acheter ce champ parce qu'il s'est dit, je vais l'acheter. Mais le jour où Yaakov meurt,
il va devoir donner le bien, parce que le bien il est hypothéqué déjà pour les femmes, pour les dettes des femmes, il est mis en garant, en garantie, pour les ktouvot des femmes. Donc du coup, il ne veut pas l'acheter. Yaakov, il va voir sa femme, il lui demande, il la supplie. Il va voir Rachel, il lui demande de renoncer à son droit de saisie sur le bien. Alors, imaginez Yaakov, c'est un ancien millionnaire qui a complètement coulé de tous ses biens, il ne lui reste que ce petit champ de 100 000. Il a besoin d'avoir du liquide pour pouvoir se refaire. Et il va, et la femme, elle veut assurer son arrière, ses arrières. Maintenant, lui, il lui dit, non, non, mais comme ça, je vais me refaire. Renonce. Et la femme cède et signe le papier. On va expliquer, on va apporter une précision très importante sur le papier, mais plus tard, je ne veux pas alourdir et changer de sujet. Donc, elle renonce finalement, elle renonce à son droit. Maintenant, pour, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont pas partis demander l'avis à Léa. Ils sont juste contentés de Rachel, de lui demander. Et Rachel, elle a renoncé à son droit. Maintenant, Rachel, c'est la femme prioritaire, attention. Bien évidemment, Yaakov conclut la transaction parce que sa femme Rachel accepte de signer. Yaakov vend le champ. Rachel s'est déchargée du droit. Yaakov, la nuit d'après, Baruch Dayan Amet, il est mort. Maintenant, il y a Léa qui revient à la charge et qui dit moi, je n'ai pas renoncé à mon droit. Donc, ton champ, cher Avraham, tu me le rends. Parce que j'ai un droit de saisie. Il était hypothéqué pour ma ktouva. Yaakov, il est parti sans laisser de bien. Je récupère mon bien. Elle le prend. Rachel, elle voit ça et dit moi, j'ai jamais renoncé à ma ktouva. J'ai juste renoncé et que je ne réclamerai rien de Réhouven, de Avraham. En l'occurrence, je réclame rien de Avraham. C'est toi qui fais le sale boulot, Léa. Tu as récupéré le champ. Mais moi, je suis prioritaire sur toi. Donne-moi le champ. Revient Avraham à la charge et lui dit, mais attends. Rachel, si tu as un champ dans les biens, dans les mains, tu as signé que lorsque tu as le champ dans les biens, tu le remets chez moi, puisque toi tu ne le prends pas. Avraham le reprend. Léa revient à la charge, elle dit, mais dans ce cas-là, si un champ, vous me le devez, c'est moi qui dois le prendre. Moi, j'ai pas de rapport, moi j'ai jamais signé une décharge. Je ne t'ai jamais déchargé de toute réclamation. Rends-le-moi. Rachel revient voir Léa et lui dit, ben tu sais quoi, si déjà le bien il est arrivé. Je réclame rien de Avraham, mais je réclame de toi, Léa. Elle récupère. Et on tourne en rond jusqu'à que finalement on dit, bon, tu sais quoi? Viens, on va faire un partage, une pshara, un compromis. Parce que là, ça arrive. Il y a des situations dans la chôte, dans plein de domaines, où il y a des situations bloquées, où on tourne en rond. On ne sait pas à qui donner la priorité. Donc dans ce cas-là, il faut trouver des solutions annexes. On vient par l'extérieur et on partage ça. Selon le cas. D'accord, il y a une question connue sur le chod brachot de priorité, qu'on en avait parlé à l'époque, dans 5 minutes éternelles, qu'il y a des situations comme ça. D'accord, je vous ai dit, comme dans le code de la route, il me semble qu'il y avait une situation comme ça, où il y a trois routes qui arrivent, en signe, comme une Mercedes, quoi, de signe, trois trucs qui arrivent, chacune, il doit laisser la priorité à droite, donc Reuven, il laisse Shimon, il dit, attends, mais lui aussi vient de droite, et l'autre, il dit, mais attends, lui, il a ma droite, donc il lui laisse. Et on se retrouve tous bloqués comme ça, sans pouvoir avancer. D'accord, ça arrive. Et donc, on revient maintenant sur notre Mishnah, c'est ce qui s'est passé. D'accord, vous avez compris le principe? Même chose qui peut se produire encore avec un Baal Chov. C'est quoi le cas avec le Baal Chov? Je change le nom du Bardenois parce que ça m'a embrouillé dans la... J'essaie de tourner le cours, je me suis un peu embrouillé à cause des noms. Je change les noms, je proposais ça de manière plus simple. Yaakov, il doit de l'argent à Avraham. Il lui doit 100 000. Il a deux champs. Qui coûte chacun 50 000. Il vend un premier champ à Réhouven, un deuxième champ à Shimon. Dans l'ordre. Ça signifie que si on n'a réclamé que 50 000, on récupère d'abord de Shimon avant Réhouven. Ce qui se passe maintenant, c'est que Yaakov vend quand il vend le premier champ à Réhouven, Avraham signe une décharge à Réhouven qui ne lui réclamera jamais rien. D'accord? Et il lui réclamera jamais rien, et il lui réclamera jamais rien, mais il renonce pas à sa dette. Donc en fait, maintenant on se retrouve avec la même situation que quoi? Que ça se passe comme ça. Donc maintenant, après, il y a Yaakov, il peut pas payer sa dette. Et Réhouven, maintenant, il veut récupérer. Excusez-moi, il a signé une décharge à Shimon, le deuxième, pas le premier. Parce que j'ai dit, mais en tout cas, il a signé la décharge au deuxième à Shimon, pas à Réhouven. Même situation, donc du coup, Yaakov maintenant va vouloir récupérer un bien.
Et il va vouloir récupérer son argent, on lui doit 100 000. Il y a deux champs qui coûtent 50 000. Un, il s'est déchargé, il ne peut pas le prendre. Mais l'autre, il veut le prendre. Il va voir, il ne peut pas prendre le champ de Shimon, qui était le deuxième, il prend le champ de Yaakov, de Réhouven, le premier. Mais si déjà il a pris le champ de Réhouven, Réhouven va voir Shimon et lui dit, deux minutes. S'il prend que 50 000, il prend les tiens, il prend pas les miens. Là, il ne peut pas prendre de chez toi. Moi, j'ai pas de rapport avec toi, malgré tout. Moi, les biens de Yaakov, ils sont engagés pour que moi je ne perde pas, je dois perdre en deuxième position, pas en première position. Donc je te récupère les 50 000. Si jamais il a récupéré les 50 000, Yaakov va venir le récupérer. Parce que lui, il peut le récupérer de chez lui maintenant. Et l'autre, ainsi de suite, comme ça, en tournant. D'accord? C'est le même principe. Et la même chose aussi avec la femme. Isha, bah, la trove, on parle encore de nouveau de la même situation. Avec cette fois-ci une femme qui a son mari qui doit lui payer 100 000 de Ktouba. Il avait deux champs, 50 000. Il vend un, puis il vend l'autre, et elle décharge le deuxième, donc elle va récupérer du premier, parce que de toute façon elle a le droit de récupérer du premier, mais lorsqu'elle récupère du premier, alors le deuxième le reprend, et ainsi de suite, et comme ça on se retrouve de nouveau en train de tourner en rond, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.